callejón, callejón, lejano, lejano, y vamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano. Un farol, un portón igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore fríamente con el llanto viejo del adiós. Donde el callejón se pierde, brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo un cielo de verano que partió. Déjame que llore fríamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó ese yuyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. Ce vieux tango s'appelait Jujo Verde, ça veut dire la mousse verte. L'histoire du tango en fait s'articule dans trois périodes. Une période un peu dite préhistorique, qui est très importante aussi parce qu'on a créé beaucoup de choses à ce moment-là. Excusez-moi, il y a beaucoup de bruit en fait, j'entends plus. Si vous m'entendez, je vous entends aussi. Donc, ça me perturbe un peu, je suis désolé, excusez-moi. Et ces trois périodes, il y a la période, la première, qui est articulée autour d'un personnage central qui s'appelle Carlos Gardel. Et Carlos Gardel, c'est quelqu'un de très important parce que c'est lui qui a créé finalement ce cancionero. Quasiment plus de 50% des tangos que l'on va vous jouer ce soir ont été créés par Carlos Gardel lui-même. Donc ça a été le premier média du tango, la première personne qui l'a rendu très célèbre aussi à l'exportation, c'est-à-dire qu'il l'a amené aux États-Unis et en Europe, et aussi également parce que c'est quelqu'un qui a rendu célèbre toutes ces grandes mélodies. Donc après, on a souvent réinterprété cette œuvre, qui est la base de l'histoire du tango, en fait, et sur laquelle on a pu s'appuyer pour avancer, pour créer un genre très particulier, et avec un poids culturel très fort dans lequel toute l'Argentine ne se revendique pas. C'est-à-dire que dans le nord de l'Argentine, la musique que l'on entend, c'est plus celle de Raúl Barbosa, hein, du chamamé, mais pas vraiment du tango. Et le tango, c'est surtout Buenos Aires et Montevideo, ce qu'on appelle le Rio de la Plata.